Eh ben nous y revoilà. Tiens, ça fait un petit moment ce coup-ci quand même. Bon. Salut tout le monde, c'est Bouli. Aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est encore une fois sur Stranded Deep. Ça fait un petit moment ce coup-ci qu'on n'a pas fait de vidéo sur Stranded Deep. J'avais envie de retourner sur le jeu. Bah pour continuer notre aventure. Et j'ai appris par le biais d'internet sans m'en faire exprès que ce qu'on a vu, l'espèce de grosse plateforme pétrolière, gros bateau échoué, c'est en fait le porte-avions pour finir le jeu. Mais pour finir le jeu, il va nous falloir ramasser des... Tiens, voilà. Ah bah ça marche pas, faut déjà la décortiquer. Voilà. Pour finir le jeu, il va falloir déjà... il me semble qu'on peut la casser comme ça. Voilà, ouais. Viens, si on est bien au niveau de la soif et de la faim. Oh oui, ça va, tiens, on peut manger ça vite fait, ça va pas... Ah oui, faut pas ouvrir l'inventaire tout de suite. Ah bah je suis plein. Tiens. Et il me semble qu'on avait dit que notre base était en face de... c'est mieux que c'est fort, voilà. On avait dit que notre base était en face du... du lit. À côté de l'île avec les grands arbres, il me semble. Parce qu'on était parti en expédition. Donc ce qu'on va faire, c'est que nos coffres sont pleins, c'est tout plein, je crois, on est plein. Oh bah non, regardez, on peut encore faire des trucs. Oh bah on peut encore farm un peu, je crois. Non, celui-là il dit quoi? Ouais. Ouais. Ouais, je crois que je les ai mis à l'envers mes trucs parce que je galère de l'autre côté à les ouvrir mes trucs, c'est un truc de fou. Ah bah oui, on a encore de la place. Ouais. Cuisiner gâché. Bah. Ça c'est. Cuisiner gâché. Tiens, ce sera pour les requins. Ils me foutront la paix comme ça. Ah, ce serait bien. Cuisiner gâché, on va pas garder ça, hein. C'est. C'est inutile de garder ça parce que bon, ce qui va se passer c'est que... Putain, mais... Tiens, dégage, voilà. Ah mais il s'accroche à la vie ce truc là, hein. Tiens. Et bah il est à la flotte. Ce qu'on va faire c'est qu'on peut encore ramasser un peu de... Oh, ça je prends du bagel. Oh alors ça aussi. On va prendre notre torche parce qu'on va encore faire moyen de marcher sur une saloperie nous. Il y a encore une... Oh là là, mais on va pouvoir les cultiver. Les pierres, etc. Faudra qu'on revienne sur cette île, il y a pas mal de trucs. Et surtout pas qu'on se fasse buter par je sais pas quoi. L'aloe, ça c'est bien. Ah putain, je suis plein. Attends, je vais pouvoir aller stacker les fleurs pour la santé. Ce qu'on va faire, c'est qu'aujourd'hui, on va retourner sur notre île et on va essayer de fabriquer le gun à air comprimé et battre le boss. Alors, c'est beaucoup de choses, je sais. À mon avis, on en fera pas. Pardon. À mon avis, on en fera pas un quart de ce que j'ai prévu. Mais voilà quoi, j'ai pas d'excuses. Alors. Bon. Putain, bah merde, je les ai droppés par terre. T'es malade toi, on prend ça. Ah nickel, on peut les stacker comme ça. Ce qui veut dire que je vais pouvoir foutre. Non. Aussi, mon bugle. Et le scrap. Oh, je peux le mettre quelque part. Ouais, voilà là. Le bois. Et bah voilà, on va trouver. Récipient, pardon, bah, décidément, il y a un truc coincé au fond de la gorge. On peut même en reprendre. Pas le Covid, hein, vous en faites pas. Bah, je crois. Non, on va pas commencer à raconter des conneries. Alors, de l'aloe, ça c'est bien pour se faire de la crème solaire, je prends. Oh, des patates, il m'en fallait pour faire. Ah! Oh l'enfoiré! Oh l'enfoiré! C'est langage de crabe, mon gars. Putain. Il est où mon radeau, moi? Et puis... Ah, mais quoi? Est-ce que dans la dernière vidéo, il y avait des crabes aussi? Oui, je me rappelle qu'il y en avait, mais pas autant. Putain, il baise. Hein. C'est des malades. Bah, allez, fous-moi la paix. Voilà. Oh bah regardez-les. Ah mais ça va, on vous dérange pas là. Voilà. Ah bah ils sont buggés, nickel. Voilà, et 2-1. Ouais, peur. Fuis. Tiens. Un deuxième coup. Oh bah. Voilà. Et bah, ça c'est bien. Comme ça, on les a tous tués. Au moins, là, on est tranquille. Qu'est-ce qu'il fallait qu'on ramène encore? Est-ce qu'on pourrait pas ramener des cailloux? Si, si. Oh putain, toi dégage. On va prendre
de la roche. Un peu, tiens, on va en prendre 3-4, vite fait. Ah, puis, ouais, puis ça dégage, hein. Si on... Tiens. Voilà. On va prendre des cailloux, parce que les cailloux, on en a jamais de trop, évidemment, parce que bon. Combien de fois je me retrouve... Et là, ils sont tous morts, là, il n'y a plus un crabe, là. Hein. Là, je... Ils avaient un peu bugué, j'ai un peu profité du bug, là, j'ai plus de place. Ah si, on peut les stacker par 4. Putain, j'oublie tout le temps, je crois que c'est par 3 à chaque fois, je sais pas pourquoi. Dans ma tête, c'est rentré que c'est 3. Il n'y a pas d'autres plantes médicinales. Non? Bon, bah tiens, on a ramené encore 8 nouvelles pavasses. On l'aurait jamais fait si on avait... Ah mais du coup, ça veut dire que je peux reprendre un scrap si c'est par 4. Ouais, je pense que je peux reprendre un scrap. Allez, bah tiens, je le prends. Ah putain! Bah oui, forcément. Et bon, on va aller poser ce qu'on a déjà, et après on va partir. On va partir parce que... Parce que bon, c'est pas le tout. Il y a des cadavres de crabes partout. Tiens, je te renvoie dans ton milieu naturel. Eh ben, il est... Oh, dégage, toi. Il est bien. Ouais. Est-ce qu'on n'avait pas déjà ramassé de l'aloe ou des... Alors, les pavasses. On va les garder sur nous. Mais il y a bien un truc pour se vider un peu les poches, là, non? Non? Ah, bah si. On va mettre le couteau. Ok, ça c'est les moteurs, tout ça. Ah bah là, il y a une place. Bon, on s'était trié, mais bon, là c'est pour l'allouer. Donc là, on a encore une, deux places. Ah, puis si on prend la main, ok, ouais, donc faut qu'on prenne ça dans les mains et on a encore deux places. Deux places, on va ramener, bah écoutez, on va ramener ce qu'on trouve. Hein. On va ramener deux, trois trucs. Chaque fois, je manque de trucs. Il n'y a pas de serpent sur ce style, hein. Oh putain! Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'on peut le planter ça? Je crois qu'on peut juste le bouffer. Bah écoutez, on va le bouffer. Yar! Eh bah voilà, il a plus faim au moins. Il nous a mis bien. Des planches comme ça, ça je prends. Puis on va reprendre des cailloux, écoutez. Hein. Des cailloux, de toute façon, on en a toujours besoin. Même si on a la pioche, maintenant on en a toujours besoin des pavasses. Ah quoi qu'on va peut-être prendre du bois. Ouais, on va prendre du bois. On va prendre du bois. Pas trop proche. Ça, c'est le plant de patates. Ça, je vais les planter, les patates, pour pouvoir faire de l'essence. Parce qu'on en aura besoin pour. Simplement pour. Mais pour se barrer. Putain, ça m'a fait peur. Tiens, viens là, mon gars. Il vient par là. Là, j'ai fait mon totem de cailloux. Il me suit le tronc. Ouais, il me suit. Ah, bah, je l'ai abandonné. Viens là. On coupe ça et on se tire. Ah, il me semble qu'avant, sur ce temps des dips, il y avait la fatigue. Maintenant, elle y est plus. Bon, franchement, c'est pas plus mal parce que la fatigue, ça me faisait un peu péter un câble. Moi, c'était l'enfer. On aura encore une place pour reprendre un peu plus de bois. Ah ouais, nickel. Ah putain, mais je... chaque fois je fais clic droit. Putain, ça fait deux semaines que j'ai pas joué à Stranded Deep. Ah oui, d'ailleurs, si j'ai pas joué à Stranded Deep, c'est tout simplement parce que... Eh ben, je n'avais plus internet. Genre, Mako était down. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je ne pouvais plus... upload de vidéos, c'est pour ça que dès qu'elle est revenue, là je vous ai upload une... Et je pouvais plus lancer les jeux parce que je l'ai sur Epic Game Store. Et pour lancer un jeu Epic Game Store, il faut se connecter. Voilà, donc la suite vous la connaissez. Je pense, je n'ai pas pu me connecter évidemment. Est-ce que je pourrais pas encore foutre mon bois quelque part? Mais est-ce que j'ai pas pris plus de bois que ça? 4. Ah, j'ai ramené 12 bouts de bois quoi. Ah bah si, on peut encore le foutre là. On va le prendre, hein. On va prendre du bois. On peut encore en faire. Hein. Faut absolument qu'on fasse du bois. Hein. Allez. Ouais, je sais, je suis plein, mais je vais attends, calme-toi. Je dis calme-toi, mais c'est moi qui m'énerve sur le bouton. Voilà, puis on peut encore en prendre. Attends, on va prendre ça.
puis on va chercher des bouts de bois par terre parce que. Il est quelle heure là? 5h. Oh, il va pas tarder à faire jour, ça c'est bien. Un bout de bois encore et les planches, bah j'en ai plus. Ouais, bon allez, on va rentrer là. Je suis bien au niveau de la fin de la soif, oui, on risque pas de crever, juste la soif, faudra boire un bon coup en arrivant. Oh putain, toi je te prends. Alors toi, non, on a pas moyen là. Ah mais si, je crois que j'ai des coffres sur moi plein de bois. Non, lui par contre, y a pas moyen, je le laisse pas. J'en ai tellement besoin de ça. Tiens, ça j'y prends direct. Ouais, ça. Bon. Puis on va y aller. Attention. Attention où je marche. Monte, monte. Voilà. On va le relever. Tourne, tourne. Allez, dis-moi qu'on frotte pas. Putain, on va frotter. Mais ça passe. Putain. Non, non, toi, arrête. Arrête de t'énerver. Attention, le crabe. Voilà, monte. Vous l'avez vu en bas? Voilà, avec la petite musique à la Zelda Wind Waker. Qui fait bien plaisir. Et notre île, c'est celle juste après celle-là. Je crois. Je crois que c'est ça qu'on avait convenu. Hein. J'espère. Je fais confiance à Yvan d'avant. Avec sa. Avec sa hutte là. Bon. Ah ouais, je crois que c'est celle-là là-bas. Ouais, je crois que je la vois. On va s'orienter bien. On va s'orienter bien là-bas. Et voilà. On est bien orienté. On rentre à la maison. Ouf. Ce périple, c'était un truc de fou. Tu peux éteindre ça, mon gars. Là, c'est bon. Est-ce que. Non, c'était ici que je voulais aller. Est-ce que tu veux pas que je range le truc... Non, ok, je peux pas le stacker plus que ça en fait. J'ai rien à stacker plus. Non. Non, il me semble que j'avais vraiment optimisé la place. J'ai pas ramené de planche. Ah, juste celle que j'ai sur moi, ok. Oh là, en vrai, les phases en mer, quand on a un radeau comme ça, elles sont beaucoup moins chiantes. J'explique. Attends, est-ce que je peux pas tourner la voile? Non, faut que je m'installe pour la tourner parce que j'aimerais juste la mettre. J'aimerais juste l'orienter en direction du bateau. En direction de l'île, je veux dire. Voilà. Mais. Ouais, bon, hein. C'est vraiment, à mon avis, approximatif comme voile. C'est juste pour avancer, y a pas ce délire. Par contre, les lanternes, la lanterne tient bien. Oh putain! Tu tiens, mon gars! Hein. Tombe pas! Hein. Oh. Alors, lui, je l'avais pas vu, mais ça me conforte dans l'idée qu'on peut mettre des trucs sur les bateaux sans qu'ils tombent. Même si, bon, je suis pas très convaincu de cette histoire là. Fait un peu peur en toute honnêteté. Voilà, on va s'orienter. Et si je la mets totalement à droite, est-ce qu'elle va rester totalement à droite? Ouais, bah elle est un peu mieux orientée. Alors. Là, on va droit sur notre île. Nickel. Ok. Bon. Et bah, on se trouve quand on est arrivé là-bas. Il n'y a pas le requin qui me fait chier. Oh là là, mais vous imaginez être là-dessus, vous? Oh. Comment je me chie dessus? Ah, j'espère que c'est notre île. Si c'est pas notre île, je chiale sans déconner. Mais il y a un bateau comme ça vers notre île. C'est pour ça que je pense que c'est la nôtre. On est blindé aux as. C'est-à-dire que là, on est blindé de chez blindé. On a encore de quoi agrandir le radeau. Enfin bref, c'est un truc de fou. On va agrandir le radeau sur le côté là. Pour pouvoir remettre des coffres. Et ce sera nos coffres à armement. Pour quand on ira faire les boss. Parce que... De ce que j'ai vu, il y a certains boss qui sont faciles et il y en a d'autres qui sont robustes. Hein.
Faut avoir de quoi se nourrir pour remonter la vie. On va emmener des rations. C'est bien qu'on en ait stacké sans trop en manger depuis le début du jeu. Comme ça, on va pouvoir emmener des rations et tout. C'est une bonne nouvelle. Et la voile qui indique... Ah, regardez. Il y a mon life raft, c'est bon. Oh là là, comme ça se coupe. Attends, doucement, doucement. On va s'amarrer, Tranquillement. La voile, elle tourne. Faudrait que je règle A comme bouton de voile ou un truc comme ça. Parce que E, c'est bien, mais A, bon. Ok, nous voilà à la maison. Ah, si j'ai bien garé le life raft à la maison. Ça fait tellement longtemps. Jour survécu, 9. On va pas marcher sur une merde encore, nous. Bon, même si on a de quoi se soigner, maintenant c'est plus un problème. Mais ce serait bien de les conserver pour autre chose que mes conneries. Alors, non, si tu pouvais. Ouais, voilà. On va te mettre bien sur la plage pour pas que tu te barres. Ça a poussé là-dedans? Non, bon, t'as. Je dis que c'est mon île, depuis tout à l'heure. Je chantonne, je vais y arriver. Mais je la sens bien arriver le truc de... Non, non, c'est bon. Le totem, là, c'est bon. C'est mon nez. Wow, nous revoilà à l'île, mon gars. Ah, putain, on a encore des coffres. C'est bon. On va faire l'inventaire. C'est là. Non, c'est ça. Ok. On a ramené une planche. Oh, il y a de l'eau. Ouais, alors, ouais, l'eau. Ouais, l'eau, j'en ai besoin. Il n'y a plus de feuilles. Merde. Bon, c'est pas grave. On a bu un bon coup. On va remettre. On en a ramené de toute façon. Allez hop. Tout de suite. Ok, faut que je lâche un truc. On va lâcher ça. Et tac. On va reprendre les patates. Les coffres. On va les ouvrir. Y'a rien. Et y'a. Je suis vraiment très con. On n'a pas ramené énormément de bois du coup. Mais on a ramené des coffres. C'est pas grave. Le bois, on en a encore. Il se met à flotter, c'est génial. Heureusement qu'on est revenu à la maison avant. Bon, les coffres, de toute façon, on en a une tonne. Laisse tomber. Les cailloux. On va les mettre vers la pile de cailloux. On a refait un totem. Et on va remettre un. Voilà. Les plantes. Pour se soigner. On va les mettre dans celui-là. Hein. Ouais, c'est vrai que je tiens une... Voilà, on va... La patate, ça va être hyper important, donc... je sais pas si elle va pourrir, la patate, mais justement, j'ai pas envie qu'elle pourrisse. Non! Non, mais tiens rien dans tes mains, c'est trop compliqué. Putain, mais j'ai pas mis la plante là-dedans. Ouais. On va mettre ça là. Ça là et ça là, on va y aller à vide. Ah, j'ai ramené du... Ah, si, j'ai du bois. Bon, ça va. Je me suis garé un peu loin, mais je suis de retour sur mon île. Ça, c'est déjà une super bonne nouvelle. Et sur mon île, il n'y a rien qui fait chier. Alors, je ne me rappelle plus du tout. Je sais qu'on peut ouvrir la map. M. Je sais plus du tout comment on fait. Mais on peut ouvrir la map. J'essaie d'ouvrir la map, les gars. Je vais regarder dans les options. Commande. Alors. Véhicule, éditeur de cartes. Je vais juste ouvrir la carte, en fait. F. Bah non, c'est pas F. Pas genre... J'ai peur d'ouvrir la console, c'est ça le souci. Et quand j'ai ouvert la console la dernière fois, je lui ai dit j'ai bugué, genre full bugué. Ok, on va prendre le bois. Tac. Ok, ça on va s'en occuper après, mais. Les jerrycans, on va prendre déjà, voilà le bois. On en a ramené du bois quand même, j'ai été mauvaise langue. Ouais, tu sais quoi, on va prendre ça aussi. Ah, hein. Oh, bah voilà!
Ah bah on en a du loot là. Ça. Ok, je suis plein. On va aller remettre tout ça là-bas. On a ramené quand même pas mal de loot. Bon, je vous retrouve quand j'ai terminé de ranger tout ça là. Et on va voir si on peut pas se fabriquer le airgun là pour pouvoir se défendre un peu, pour pouvoir aller faire les boss un de ces quatre. Oh là là, et c'est pas magnifique ça. Bon, ça, on en a une tonne, hein, mais on la ramasse quand même. Ah bah oui, on en a vraiment une tonne. Voilà. Encore de l'eau, nickel. Est-ce que j'ai soif? Ouais, bon bah écoutez, on va boire. De toute façon, je suis en bonne santé, je crois. Eh, là, on est vraiment bien. Et il fait beau. Oh là là, mais là, on est bien. Et je resterai limite là, non? J'essaierai limite même pas de retourner vers la civilisation. Tellement je suis bien, là. Je suis mieux que chez moi, c'est-à-dire qu'on me fait pas chier en plus. C'est genre là, il n'y a pas son bordel de boulot, des trucs comme ça. Non, 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 non. Il a rien de tout ça. Bon, je fais genre, on dirait que c'est utopique, comme je le dis, mais jamais je vais me retrouver dans cette situation. Je préfère aller au lycée. Oh bah oui, on en a ramené du bois. Bah on en a du bois. On va y aller doucement parce que ça éjecte. Et puis bon, le bois... Tiens, regardez comme ça éjecte. Bon, bah, on en a quand même un peu de bois. Nickel. Les scraps. On va... Oh, putain, on en a la masse. Mais là, mais laisse tomber. On va se faire des planchers pour notre bateau en métal. Ça va être stylé. On va se faire un radeau de compétition, mais x 1000, quoi. La dernière fois, c'était un radeau de compétition. Mais là, c'est un radeau d'hyper compétition. La prochaine fois. Encore un bout de bois, en fait. Et bah, écoutez, on va... Voilà, on va le mettre là. Il en reste. Ouais, il en reste. Oh, bah, ça en a utilisé. Oh, c'est bizarre. En bonne santé, mais je suis hyper bien là, en fait. Bon, je vais continuer de ranger tout ça. Désolé, mais si tu pouvais aller là, toi, ouais, ce serait bien, merci. On a du bois, on a de la fibre, franchement là. C'était une expédition risquée, mais on l'a menée avec bravoure et splendeur. Regardez, on a plein de pousses de palmiers là qu'on va pouvoir couper pour se faire de la fibre. En fin de compte, la fibre, c'est bon, c'est ce que j'avais peur qu'il manque. Et le bois, on en a, on a tout, on a ramené tout en fin de compte. Voilà. Ok. On peut rien stack. Bon, on peut prendre un truc de notre main. Pour prendre encore d'autres trucs. Voilà. On a encore une ration par ici. Tac 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 tac, on va. Oh, bah tiens, mon gars, mais les pièces de véhicule, ça va être un truc de fou. Ok, est-ce que ça on pouvait le stacker ici? Qu'est-ce qu'on peut stacker? Non, c'est déjà ouvert lequel? Ah, mais on va ouvrir celui-là. Ok, on peut stacker ça, on peut stacker ça. Ok, va falloir qu'on se refasse des coffres à... Là, c'est des coffres à plantes qui marchent, pas qui sont hyper utiles. Ouais, si tu pouvais enlever ça 2 secondes et retourner là-bas, merci. Toujours que ça paraît le bordel, mais c'est mieux rangé que machin. Ça fait chier de se dire ça. Ah ouais, la peau là, elle me fait chier. Le truc pour faire le cuir, c'est dans quel coffre? Mais regardez, mais on a tellement... C'est mieux rangé que machin, moi je sais pas. Enfin, bon, tiens, on va y poser à côté, comme ça on saura que c'est le coffre à peau. On pourra se faire du cuir, ça faut que j'y garde. Bon, on va se faire un tonneau. Ouais. Ouf. On peut se boire un petit coup, mais bon, on va attendre que ça stagne. Que ça stack. Alors. Qu'est-ce qu'il y a dans celui-là? Ok, c'est les boules jaunes. Tac, le moteur. Est-ce qu'on n'a pas des coffres qui seraient complètement vides? Pour. La boussole, c'est bon, on peut y mettre à côté. Parce que bon, va falloir combiner des coffres là. Parce que ça devient le bordel. Bon, ça on va y mettre avec les plantes médicinales, hein, de toute façon, parce que c'est des trucs importants pour pas crever en fait. De toute façon, vous en faites pas, on va pas mettre longtemps avant de voir utiliser une plante, donc parce que je me connais un peu trop. Là, c'est encore les coffres, voilà, coffre véhicule. Et on va continuer à mettre les pièces de véhicule. En fait, on va se vider complètement. Je vais mettre les lances là. Hein. Oh, elles sont
mais oh, on dirait qu'il n'y en a qu'une. Oh, elles ont bugué dans le sol. Alors, j'ai mal mis dans le coffre, ça c'est... Non, si tu veux prendre la main... Ah, mais... Voilà. Et ça, mais je sais pas où on va les mettre, ça. Ah, mais il y a déjà un jerrycan, là. Attendez. Est-ce que ça stack? Ouais, nickel. Et ici, on va pouvoir mettre, du coup... L'aloe vera, on va la mettre... Ouais, on va la mettre là. On a de quoi se faire un moteur. Mais il faut de l'essence. On aurait limite de quoi se faire le gyrocoptère. Non, il manque pièce de gyrocoptère, je crois. Ça, j'en ai pas. Attendez, je refais le focus. Voilà. Ok, c'est vide, c'est vide. Ça, je prends. Ok, le tape... Et je crois que c'est tout vide. Ouais, c'est tout vide. Nickel, bah on a tout ramené. Oh putain, il est où celui-là? On a tout ramené ce qu'on avait pris. Ouais, donc au final, pas mal de choses. Ça, c'est nice. On a refait le plein de choses sur l'île. Non, c'est pas ici qu'il faut le mettre celui-là. Ouais, c'est ici. Le marteau. De toute façon, j'ai l'impression que c'est le bordel sur l'île. Voilà, on va mettre ça. La torche, on va la garder sur nous parce qu'il fait nuit et sans qu'on s'en aperçoive à chaque fois. Et on va boire un coup, mon gars. Là, t'es en bonne santé. Ah bah là, mon gars. Là, il a même plus soif. C'est du jamais vu, notre stranded deep. On va mettre les petits outils qui peuvent être utiles là. Voilà. De toute façon, on n'y est plus pour longtemps sur l'île. Faut qu'on trouve, je ne sais pas comment on ouvre la carte. Comment on ouvre la carte? C'est ça qui est emmerdant. Si quelqu'un peut m'aider dans les commentaires... Voilà, si quelqu'un joue à Stranded Deep et qui sait comment on ouvre la carte. Bon, ce qu'on va faire là, c'est qu'on a... Est-ce qu'on a assez de scrap pour... il en faut combien pour faire déjà un... Ouais, on a assez. On va rapprocher le radeau. On va le garer juste devant, ce sera plus simple pour les déplacements. C'est bon, on va faire des allers-retours, des allers-retours, des allers-retours. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que changement de programme en fait, hein, parce qu'on va pas aller battre le boss tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est que déjà il me faudra un truc pour respirer sous l'eau. Ça, on en a pas. Pour fabriquer le gun, mais c'est pas grave. Ce qu'on va se faire là. Attends, déjà on va pas se faire attaquer par le requin, ce serait bien. Maintenant qu'on est là. Et ce qu'on va se faire maintenant. Là... Oh putain, ça peine à braquer. Ah bah oui, forcément, il y a un truc. Il y a un truc pour me gêner. On va l'esquiver en se laissant dériver un peu. On va essayer de passer entre les deux bateaux. Vous êtes prêts, James Bond? Oh là 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 là, mais qui maîtrise le radeau? Oh. Attention, parce qu'il peut y avoir une pavasse ou un requin ou je sais pas quoi. Et puis, ouais, ça se trouve, c'est comme dans Raft. D'ailleurs, si vous voulez des vidéos sur Raft, il n'y a pas de souci, on en fera de toute façon, je pense. Parce que Raft, c'est un jeu que j'adore. On l'avait presque terminé avec mon cousin, on en était hyper loin. Mais je pense qu'on va recommencer parce que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas joué. Oh, entre les deux cailloux là. Ah, je vais aller. Putain, j'aurais jamais dû essayer. Moi, c'est pas grave, je me débloquerai. En fait, non, on est bien là. Ça nous fait comme un petit port. Ah, j'aime bien. Là. Ça nous fait comme un port. Pour amarrer notre bateau. Ok, c'est bien. Il va faire nuit, je crois. Ouais, ouais, ouais. On a des ressources. Franchement, on est très bien. Je vais me faire des petits. Comment on appelle ça? Truc pour le jardinage. Fabrication, je pense que c'est là-dedans. Les tables, les chaises. Si, à part si on peut le foutre sur onduler l'étagère. Je sais pas si ça sert à quelque chose. Mais en vrai, à la fin du jeu, peut-être on se fera des trucs. Distillateur d'essence, ça va falloir qu'on se le fasse. On a assez pour se le faire. On va... Enfin, alors oui, on a ce qu'il faut. Attendez, juste qu'on se fabrique. Culture, voilà. Avec des scraps, on va le faire avec des trucs de métal. Parce qu'on en a une tonne et on l'utilise pas. On va. Construction, véhicule, culture. Ou nécessaire. Ah bah voilà, on va se faire une petite houe. Alors, comment on fait pour se faire une houe? Eh bah c'est que dalle ça. Alors, il nous faut juste. Un bout de bois. Et de la fibre.
Voilà, on va se faire une corde. Et puis un caillou, je crois. Est-ce que j'ai bien retenu? Et non, c'est un truc comme ça. Et là, on peut se faire une petite houe. Et maintenant, et pourquoi tu veux plus que je fasse le carré? Tu veux toujours pas que je fasse le carré de terre? Ah, il va falloir des niveaux. Ça... Mais si, il veut bien. Tiens, regarde donc. On va cultiver nos plantes sur le bord de la plage. Tiens. Bah, je sais pas ce que ça fait, mais on peut même en faire un deuxième. Et bah voilà. Alors, j'avais bien prévu la torche. On va planter les pommes de terre, il me semble qu'il faut les arroser. Et avec la gourde de notre coco, on va transporter l'autre. On va planter les patates. Il faut bien penser à les arroser, sinon elles vont décéder. Donc je sais pas comment on va partir en... Ah, ça en fait qu'une. Eh bah, on n'est pas près de... Je vais mettre de l'eau, parce que là... Putain, celle-là va crever d'une puissance, mon gars. On a une gourde quelque part dans un... Dans un coffre, je sais plus où. Mais on en a une. Voilà, la voilà. Et bah voilà, bien sûr, on a plus d'eau. Alors que tout à l'heure, j'ai dit... oh, de l'eau, on en a. Bon, ta gueule, Yvan, t'en as pas de l'eau. Il en faut bien plus que ce que tu nous penses. Bon. Écoutez, je pense pas qu'elles vont crever pendant ce temps, non? Ça devrait aller. Il y a un peu d'eau. Oui, ça va aller, elles vont pas crever. Qu'est-ce qu'on va faire? On peut faire ça? Non, ce serait bien pratique parce que là j'ai vraiment la flemme d'aller. Ouais, il y a une lanterne sur le radeau, on risque pas de perdre le radeau comme ça. Et ouais. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se planter. Ah, ben on va se planter une plante médicinale aussi parce que ça peut toujours servir. Ah, le bogle, je voulais voir à quoi ça sert le bogle. Je pense que c'est dans consommable. Et où est-ce qu'on... Ah putain, compresse. Aide à l'apnée. Ah, on peut se faire ça alors. Répulsif à requin. Attel. Donc attel, c'est pour quand on se pète une jambe. Bandage. Ok. Baume d'aloe, c'est pour la... Ok, ok. Bon, c'est pas bien utile. Moi, ce que je veux, c'est surtout les antidotes. Parce que ça, c'est une tannée. Non, lâche ça, s'il te plaît. On va juste planter une fleur. Antidote. Est-ce qu'on peut y planter dans le même? Ce serait bien pratique parce que là je sens que je vais pas réussir avec deux carrés de terre à avoir assez d'eau. Non, je peux pas. Bon bah écoute, on va le planter ici. Voilà. Il va se refaire un distillateur d'eau. Voilà. Parce qu'avec un on tournera jamais assez vite. Comment on fait déjà pour se faire un distillateur? Ça va aller, on va tourner un peu difficilement mais on va avoir assez. Ouais, je sais, perso, Alex, c'est pas. Ah, nickel, il y a de l'eau qui est bien dedans. Alors, distillateur d'eau, il y a celui-là, il n'y en a pas un autre. J'en ai pas fait un autre, moi. Celui-là que j'ai fait. Ah, c'est celui-là que j'ai fait. Bon, nickel, attendez, on va déjà. Bon, moi, j'ai pas besoin d'eau, hein. Non. On va se priver un peu d'eau pour les arroser, hein. De toute façon. Oh, putain. On va pas les foutre à fond, je pense. Hein. Je pense qu'elles consomment de l'eau, mais ça sert à rien de les mettre à fond. Enfin bref, on va prendre le nécessaire pour fabriquer notre merdier, nous. Feuilles de palmier, putain, j'en ai pas de ça. Bon, écoutez, on va tourner à un distillateur pour le moment. Parce que c'est bon. Ça va suffire. On se privera d'eau hein, des fois, mais ça va le faire largement. Voilà, parce que... Comme ça, en plus, on pourra se faire le distillateur d'essence maintenant, après que j'aurai planté les patates. Et tout ça, c'est pour la route, pour finir le jeu, hein, ce qu'on fait, donc... Donc voilà, on est toujours en route pour finir ce Stranded Deep qui a eu énormément de mises à jour depuis le début que j'y joue en fait. Il y a eu tellement d'améliorations, de trucs. C'est un truc de fou, je vous le dis. Ok, 5 boules et une corde, on va se faire ça. On va s'améliorer un peu le radeau. Eh ben, j'avais peur de manquer de fibres, heureusement que j'ai ramené... Et on va prendre les 5 petites boules... Non, si tu pouvais lâcher ça. Ce qui est bien, c'est que je trouve jamais le bon truc quand je le cherche. 1, 2, 3, 4, 5. Il faut le marteau, je pense.
Ok, il y a un peu d'eau. Nous, on est bien, hein, toujours. Oui. Et notre ado est là. Où est-ce que je vais? Non, mais qu'est-ce que tu me fais, là? Véhicule. Et on va se le mettre. Alors. En vrai, moi, je me le mettrais bien sur le côté. C'est ici que j'y pensais, justement. Comme ça, ce qu'on fait, c'est qu'on se met encore un plancher là. Pour le plancher, il faut quoi? Bon, on se le ferait pas en tôle ce coup-ci? Ouais, si, on va se le faire en tôle parce qu'on en a tellement de tôle. On en a plus trop en fait. C'est pas grave. Bon, notre ado, il est pas fait pour être Valérie d'Amido Friendly. Hein. Bah, du coup, je vais juste faire des étagères. Alors, bah, c'est dans fabrication et étagère. Non, j'aimerais que t'ailles là. Voilà. Et nickel, comme ça on a 4 étagères. Alors pourquoi je l'ai pas mis là? Simplement parce que ici, ça je l'ai foutu à l'envers, là ce plancher. Et du coup, il allait en plein milieu du radeau. Alors que là, si je mets sur le côté, bah c'est mieux. Parce que du coup, il n'y a rien en plein milieu du radeau. Et il nous en reste une. Ok. Il y a toujours un peu d'eau. On va aller se couper un peu de. Ah, sur le radeau, il y a mon couteau. S'il est pas tombé. On va aller se couper un peu de. Ah non, il est là. J'allais dire rip mon couteau. Mais il est là. Un peu de fibre. Parce que ça fait un petit moment qu'on est parti. La fibre a largement eu le temps de repousser. Voilà. Non, ça. De toute façon, on peut y aller les yeux fermés. La fibre, ça repousse, ça repousse. Il y a le yucca aussi, en fait on est vraiment bien en fibre. J'ai eu un peu peur. Arbus palmier, nickel, tiens. Mais ça va le faire largement. Je pense que si je le laisse pousser ça, les palmiers repoussent vraiment. Mais les palmiers, je les garde au cas où. Vous voyez sur moi. Ah, le fameux qui vole. Je les garde sur mon île au cas où. Vous voyez, comme ça. Dans le pire des cas, si j'ai vraiment plus de bois, bah, je peux me couper de. Enfin, si j'ai vraiment plus de flotte surtout. Surtout à cause de en ce moment là. Ah mais si, il m'en reste là tout le long. Surtout à cause de. En ce moment de. On va se glisser. Oh bah tiens, il y a un bâton. On va se le prendre. À cause des plantations, je vais y arriver. On va le mettre là le bâton. Ah bah tiens, voilà. Voilà, et bah on s'est refait une santé en fibre. Nickel. Et puis voilà, bah on est vachement bien là. On n'a pas fait tout ce que je voulais, mais on a fait ce que je voulais pas mal. Voilà, c'est-à-dire que bon, on a ramené pas mal de choses. On a qu'on se fasse le distillateur d'essence la prochaine fois. Mais franchement, on est bien. On va. Impossible d'avoir de l'eau. Pourquoi? Ah, mais elle est la plus courte des plaines, je suis con. On va aller. Ouais, on est très bien. Je suis en bonne santé toujours? Ah non, bon, je suis en santé normale. Genre, je suis. Y'a pire, y'a mieux quoi. Alors, on va le mettre là. Voilà, ça pousse. Parcelle cultivable. Bah oui, ça pousse. Et puis voilà, on a amélioré notre ado. On s'est refait du stuff, du bois. On a fait l'inventaire un peu de ce qu'on avait. On s'est mis bien là. Là, on s'est mis bien encore. La prochaine fois, on fait moyen de se trouver le truc à gaz pour se fabriquer ceci. Je vais vous montrer. Se fabriquer l'air gun. Là, il est là. Ouais, il nous manque juste ça. Ensuite, on se fera des lance-harpons. Genre, on se fera la masse pour aller combattre ces boss. Et ensuite, on combattra les boss. Bon, ça sera en deux vidéos, j'espère. Qu'on pourra le faire en deux vidéos, voire trois. Maximum, j'espère qu'on n'ira pas jusqu'à l'épisode 6. C'est mon objectif, c'est de le faire en super de vidéos. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo sur Stranded Deep, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu. À vous abonner, pourquoi pas. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut.